Bonjour, bienvenue au sein de la collection de l'aventure DS Automobile. Et je vous propose aujourd'hui de parler des véhicules présidentiels parce que la marque DS y est vraiment engagée au Palais de l'Élysée avec les présidents de la République française. Et ici, nous avons trois voitures, j'allais dire mythiques, la DS21, la SM et le DS7 Crossback présidentiel. Alors, la DS21, c'est une voiture vraiment atypique, très longue, 6,53 m, qui est apparue en 1968, dont le président Charles de Gaulle et le président Pompidou se sont servis, mais assez peu en fait, parce qu'elle n'a que 6500 km, et c'était une voiture pour recevoir les hôtes de la République, les invités de la présidence française, et une voiture vraiment faite avec le meilleur du savoir-faire français à l'époque pour vraiment montrer la vitrine technologique de l'industrie française et notamment grâce à l'aide du carrossier Chaperon qui était un carrossier vraiment très renommé à l'époque et qui faisait des voitures atypiques comme cette DS21. Alors cette DS21, elle sert peu parce que le président Pompidou, qui va arriver au pouvoir en 1969, commande deux nouvelles voitures sur base de la SM. Et en fait, Chaperon va aussi intervenir et va faire deux SM découvrables qui sont plus longues que la SM normale. Cette SM présidentielle va faire 5,60 m de long. Il y aura deux exemplaires. Nous avons la chance ici d'avoir un exemplaire qui est en prêt ici au sein de la collection. Cette SM elle va être utilisée par bien sûr le président Pompidou, mais aussi les présidents suivants, le président Giscard d'Estaing, le président Mitterrand et le président Chirac. Donc ça veut dire qu'elle aura une durée de vie assez longue puisque le président Chirac va l'utiliser pour son investiture en 1995. C'est une voiture qui embarque beaucoup de technologies, je dirais comme les DS, notamment bon, bien sûr la suspension hydraulique, la direction rappel asservi ou encore les phares tournants. Même si c'est une voiture qui n'allait pas très vite quand elle était utilisée, elle a vraiment une très belle ligne et une technologie qui en fait aussi son attrait. Et aussi le DS7 Crossback présidentiel de 2017 qui a été pensé, réalisé par le style DS pour l'investiture du président de la République en 2017, en l'occurrence le président Macron qui l'a utilisé, qui a pu apprécier, je dirais, son confort et aussi tous les côtés pratiques avec le toit ouvrant qui a permis au président de saluer la foule lors de l'investiture. Donc c'est un véhicule qui fait maintenant partie de la collection de l'aventure DS Automobile. Il est encore utilisé sur des événements, pour des prises de photos, nous sommes vraiment satisfaits de l'avoir ici parce qu'il est apprécié des visiteurs qui viennent nombreux tout au long de l'année pour visiter cette collection. Voici la DS présidentielle de 1968 qui a été construite sur une base de DS21 de série. J'allais dire construite parce qu'elle est tellement différente d'une DS de série qu'elle est impressionnante de par sa longueur, de par sa finition, de par ses aménagements. Vous voyez à l'avant la petite cocarde bleu-blanc-rouge, bien sûr le drapeau français qui est éclairé en bas la nuit. Et puis des pièces assez incroyables comme ces clignotants qui sont taillés dans la masse. D'ailleurs, on peut faire un petit lien avec DS parce qu'à l'arrière, vous avez des clignotants à feu défilant. Donc déjà en 68, il y avait une connexion avec ce que DS fait aujourd'hui. Et venez voir l'intérieur, franchement c'est assez bluffant. Parce qu'il y a une finition incroyable avec ce cuir, ce bois qui est utilisé. Que ça soit à l'avant ou à l'arrière, c'est la même finition, un tableau de bord spécifique, rien que pour cette DS présidentielle, qui finalement aura été peu utilisée, mais qui a marqué son histoire de par sa stature, de par sa finition, de par sa longueur, parce que c'est une DS. Voilà la SM présidentielle, donc bienvenue dans les années 70, puisque cette SM est apparue en 1972, commandée par le président Pompidou. Il y a eu deux exemplaires qui ont été faits sous cette forme-là, toujours par le carrossier Chaperon comme pour la DS. Là, nous avons la version 3PR75, qui a été utilisée donc, depuis le début des années 70 jusqu'au milieu des années 90. Alors, cette voiture découvrable, c'est ce qui en fait son charme. Elle a vraiment une belle ligne. Elle est un peu plus courte que la DS, mais elle fait quand même 5,60 m de long. C'est une voiture d'apparat pour les invités de la République, les autres invités pour un voyage officiel. Et elle a un intérieur en cuir magnifique, qui est toujours en très bon état. Et je vous assure que quand on s'assoit dedans, on a envie d'y rester. Vraiment, c'est un bon choix du président Pompidou parce que l'ASM
Elle fait partie de ces voitures mythiques de la production mondiale automobile. Et c'est une voiture qui a tant apporté à l'époque parce qu'elle avait une technologie embarquée assez incroyable. Et donc, elle avait vraiment toute sa place en tant que véhicule présidentiel. Alors, on fait un petit saut dans l'histoire et puis on arrive en 2017 avec ce très beau DS7 Crossback présidentiel qui a été entièrement habillé, pensé, designé par les équipes du style DS et qui, comme la DS et la SM, montre le meilleur du savoir-faire français de l'époque. Et donc, le président de la République, élu en 2017, en l'occurrence le président Macron, l'a utilisé pour son investiture. Il a notamment utilisé le toit ouvrant qui lui permettait de saluer la foule. Et comme dans la DS et comme dans la SM, on a vraiment une finition de très haut niveau avec plein de petites touches qui montrent l'appartenance à la République française avec bien sûr le drapeau sur la droite, mais aussi des petits marquages bleu, blanc, rouge à l'extérieur et à l'intérieur de la voiture. Et ça montre bien que DS est une marque premium et une marque qui maintenant a sa place au palais de la présidence de la République française.